tous, c'est Yui qui vous retrouve pour Disgaea 4. On va d'abord, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je vais aller créer un nouveau personnage, comme j'ai libéré une case. Et après, bah, on va continuer à se fighter toujours et encore. Voilà là, ma petite case vide. Bon, je vais... Ah tiens, celui qui a le plus de mana, moi, je vais prendre lui. Pour créer un perso. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je n'ai aucune idée en fait. Je sens que... Sans, je vais tous les abandonner après, alors bon. Allez, on va prendre un orque. On va pas utiliser trop de mana, là on va garder un rang E. Moi je veux pas me casser à donner un. Non, pas la table. Qu'est-ce que c'est nul comme. Ça veut absolument rien dire, ça veut absolument rien dire. Mais il va s'appeler comme ça justement, ça veut rien dire. Un peu d'originalité, ça fait pas de mal. Voilà, donc comme d'habitude, moi je booste l'attaque, je suis une warrior. L'attaque, c'est le bien. Voilà, donc il fait comme beaucoup d'enfants ont fait, hein. Sonner aux portes et s'enfuir en courant, hein. Qui ne l'a pas fait? Moi en tout cas je sais que je le faisais souvent. Je faisais le tour des immeubles et je sonnais partout. C'est comique, hein, de faire ça. Enfin bon. Équiper, je sais même pas si j'ai quelque chose, griffes de faucon. Est-ce que j'ai des armures? Non. Elle va être nulle alors. Non, je vais y mettre des muscles parce que c'est toujours important que le personnage le plus fort est. Et plus de PV, en tout cas, au début. C'est toujours les mêmes qu'on utilise, hein. Enfin en tout cas que j'utilise. Voilà, les trois. Après les autres, bof, je sais pas vraiment utiliser. C'est pas comme ça qu'ils vont devenir plus forts, mais bon, c'est pas fait exprès. Allez, voilà, on va continuer. ギャーギャーと騒がしいガキンチョは。おい小僧、この辺りは間もなく修羅場とかす。怪我をせぬうちに立ち去るがいい。 司令官様だぞ。しかも現魔界大統領の一人息子なんだ。いわば魔界随一の血統を誇るサラブレッド。頭が高い。控えんか。何？
統領の息子だと、ハンマーチャンス。うへへ、大統領閣下のお坊ちゃま、これはお見それいたしました。控えます、控えますとも、靴だって舐めちゃいますとも。おい、どうした、なぜお前たちはこいつみたいに平伏せん。なんだ、そんなこともわからない。仕方のないやつ。ならば説明。お前の父親が魔界大統領なのは、自身の才覚でその地位を勝ち取ったゆえだ。お前の手柄ではない。お前の血統が優れているのは先祖の偉業に基づくものだ。これもお前の手柄ではない。よってお前に平伏する義理などない。以上が理由だ、小僧。ふん、閣下、ガキ相手にそこまで言うのは少々酷ではありませんか。お前たち、なんだその態度は。魔界大統領が、父上が怖くないのか。当然だ。俺が恐れるものはこの世に二つのみ。イワシの小骨と約束を破ることだ。故に大統領など恐れる必要なし。意味がわかんねえ。これ以上バカの相手を捨てられるか。お前たちやってしまえ。教育してやる。Donc là, c'est pas moi qui joue. Il est... Ah, voilà, ils sont en train de montrer Comimorph, c'est une spécialité, et le Magimorph en même temps. Spécialité du jeu, par exemple, deux monstres peuvent en gros fusionner ensemble, et un humain peut. Magimorphé un monstre en arme, comme il dit là. Il s'est transformé en arme. Ah, donc là, mon voleur de sardines. Va devenir une arme. Il va devenir un pistolet. Yeah, super pistolet. Le Magimorph permet d'avoir des attaques spéciales plus. Super attaque de poisson. Et sardine rouge contre-attaque. Mais voilà, le gros désavantage du Magimorph, ce que j'aime pas, c'est que c'est limité à 3 tours. Donc une fois que le temps est écoulé, bah voilà, le monstre Magimorphé peut plus revenir au combat, donc c'est comme s'il était mort. Tu perds un perso ultra tour, moi j'aime pas trop. Je préfère les garder le plus longtemps possible. Tant qu'ils sont pas morts, qu'ils n'ont pas été touchés, je préfère les avoir sur la carte que les avoir, on va dire. Pour avoir des attaques spéciales en plus, mais pour un temps limité. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. Mio, par exemple, il me dit qu'il aime bien, lui. Moi, j'aime pas trop.
mais... Écoute-moi. Mais deux plis, on va dire un plis géant. C'est plus résistant. Une fois qu'il n'y a plus de SP, ils se séparent à nouveau. Donc c'est aussi limité. Donc, ça peut être utile sur un court moment, mais moi je suis pas non plus fan. Enfin, j'utilise pas trop. Je préfère utiliser les attaques spéciales de tout le monde. C'est comme les magimorphes, ça permet de faire des attaques spéciales en plus ou de modifier la portée d'attaque d'autres attaques spéciales aussi. Voilà, donc là, mais c'était un. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des jolies couleurs sur la carte. Les géoblocks sont entrés dans le jeu. Voilà, par exemple, la case bleue, c'est défense plus 50%. Et si on tue un ennemi, ça donne un trésor. Là, la case rouge, bah, il n'y a rien. Donc, comme c'est plutôt un avantage, on va s'en servir, hein. Oh, surtout pour placer les plus faibles. Je vais vous montrer sa petite attaque. Je vais mettre ça. On va le mettre sur une case bleue, comme ça on prendra moins de dégâts. Je peux aller bien loin et que j'ose pas trop m'approcher parce que eux ils vont faire un combi morph je pense et lui magimorph comme dans l'exemple. Donc je suis pas suicidaire non plus hein. Vaut mieux avancer doucement mais sûrement. Il y a quelqu'un qui rigole derrière moi. Genre c'est pas vrai ce que je dis. Mais c'est tout à fait vrai, je suis prudente. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est efficace hein, d'être sur une case défense de 50%, il a reçu que 1 point de dégâts. En plus d'avoir été en défense. Donc comme quoi... c'est utile. Faut toujours regarder les cases, ce que ça apporte, et profiter de la situation si on peut. Ouais, bah, il m'a déjà bien entamé mon mage, donc je crois que je vais le rentrer à la maison. Moi aussi, à la maison. Puni. Parce que t'es trop nul, oh, t'es puni. T'auras pas de sardines ce soir. Bon, je vais peut-être pas attaquer lui parce que bah, comme il a aussi une défense plus, je vais pas faire très mal, je vais attendre qu'il se déplace. Je vais me déchaîner sur lui en attendant.
merde, voilà. Je viens de faire un fail. J'avais oublié que je venais de te déplacer à côté, donc je l'ai pas tué, heureusement, mais j'ai failli le tuer. Ça aurait été bête. Hein. C'est mon deuxième meilleur perso, j'en ai bien besoin. Mais... voilà, une petite faute d'inattention et. Et on l'a dans l'os, hein. Un gros fail qui peut nous être très fatal. Bon, là ça va. J'ai survécu. Mais. Dans une autre situation, ce serait quoi ne pas aimer le jeu de guerre. Non, ma soigneuse. Bon, il peut t'attaquer de loin, hein. Donc il en a bien profité. Généralement, ils attaquent les plus faibles. Souvent comme ça. Hein. Les plus faibles n'ont pas leur place sur le champ de bataille. Hein. Seulement les meilleurs ont droit de rester. Pas de place pour les faibles. Je vais pas faire la coulette. On veut juste attaquer, je vais être sage. Je vais faire ça. Bon, c'est dommage que je l'ai tué parce que ça aurait été bien que je puisse l'achever avec un de mes persos niveau 1 pour gagner un peu d'expérience parce que ils vont vraiment pas me servir à grand chose s'il reste niveau 1. Il va me tirer dessus. Bon, allez, je vais faire un sacrifice. Qui va se sacrifier? Toi. Pas encore mort, donc pourra servir deux fois, super. Je vais peut-être lui donner un objet. J'hésite. Moi, non, allez. Soyons fous. Des tactiques à l'RPG, c'est qu'il faut tout le temps réfléchir, tout le temps savoir qu'est-ce qu'il serait le mieux de faire, est-ce que j'attaque comme ci, comme ça, est-ce que j'attends des fois, ça va. Toujours réfléchir, c'est bien, ça fait travailler son cerveau. Ou pas, j'aimerais personne, ça aide pas grand chose. Bon. Pour montrer la petite attaque, mais j'ai vraiment peur. Je crois que ça va être peut-être une des seules fois que je vais l'utiliser. Alors, ouais, par exemple, je peux pas me mettre là, comme il prend toute la place. Hein. Oula! Retrait, retrait. Donc, on va avancer la cible. Hein. J'espère qu'ils vont s'acharner sur lui. Que je suis un assassin, hein, ce qu'on dit dans l'oreillette. Assassin, please. Est-ce que je peux réussir à le tuer avec un celui-là? On va voir. Ça pourrait être bien. Ouais, 40%. Je sais pas si je vais le toucher. Bah ouais, évidemment. Moi même quand j'ai des fois 99%, j'arrive à faire miss, alors j'ai souvent la poisse moi dans les jeux.
même quand toute la chance est de mon côté, elle m'abandonne quand même. C'est triste. Voilà. One shot. Je sais pas si je vais pouvoir. Je sais pas si elle va le tuer. Donc ouais, j'essaie de faire de l'XP. Là, je vais la mettre sur le côté. Ça peut attaquer à deux cases. Comme ça, il peut pas riposter. Ouais. Je crois que je vais pas faire d'XP avec les petits faibles. Hein. Pas pour aujourd'hui. Ah, peut-être avec lui je peux. Bon. S'il le tue pas avant. On va se mettre sur une case bleue. Approche-toi, approche-toi, petit. Enfin, petit, pas tant que. Pas petit, c'est pas grave. Bon. S'approcher un peu. Je vais aller l'annoncer. Comme ça. Je peux peut-être l'attendre après. Ouais, toute une organisation pour essayer de faire gagner un niveau. Un petit perso niveau. Voilà, on va voir ce que ça va faire. Ouais, trop nul. Bon, fail. Après, je vais peut-être encore une dernière solution. Alors, je vais. Bon, ça, je peux pas. Ah oui, bah oui, je peux pas. Non, bah non, pas comme ça alors. Je sais pas pouvoir faire ce que je voulais faire. C'est pas grave. ほとんどのものが強制的にレベル制限を受け、服従を強いられているはずなのに。なんでそんなに強い？どんな意識をしたんだ、卑怯者め。我が主がお強いのは当然のこと。なぜならこのお方こそは。 俺の強さの秘訣を知りたいのだ。教えてやる。イワシだ。イワシを食え。そうすればお前も強くなる。なんだそりゃ。イワシなんか食ってられるかバーカ。俺様は魚が苦手なんだよ。くそー。こうなったら本体と合流するぞ。 いいか、お前たち。これで勝ったなんて思うなよ。次。絵に描いたような負け犬の遠吠えだな。美しい。せっかくのチャンスが大統領閣下のお坊ちゃまを激怒させてしまったわわわ。大統領府直属の部隊が あの程度の実力で務まるとはな。
ご大層な肩書きをぶら下げていますが、察するにあのクソガキの子守をするためのお飾り舞台なのでありましょう。俺が知らぬ間に魔界も随分とぬるま湯になったようだな。実に嘆かわしいこと。閣下はまだご存じないのです、今の魔界がどれほど堕落しているのか。なればこそ今こそあなた様がこの世界を、全ては我が主のために。Bon alors, comme on a fait le didacticiel avant le combat et que ça a été un peu plus long, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Maintenant, vous connaissez toutes les spécificités du gameplay du jeu. Donc, plus d'excuses si vous voulez jouer, hein, vous saurez faire comme des pros. Donc voilà, on va reprendre la prochaine fois avec la suite, tranquillement. En attendant, bah, je vous dis bye bye tout le monde et à la prochaine. Salut !